Bonjour. Tu n'es pas très en forme. Trop orgueilleux, hein? Je comprends, on est pareil. Phoenix! N'approche pas de cette... chose! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu la foudre tomber. Naturellement, je suis venu terminer le travail. Les coups de grâce, c'est aussi ma spécialité. Ça ne m'étonne pas. Bon, je vais sauver cet oiseau. Et inutile d'essayer de m'en empêcher. Mais non! C'est une créature de typhon! Attends, j'ai une vision. Tu vas dire... Mais il a besoin de notre aide. Et je vais répondre. Phoenix, il nous tuera à la première occasion. Ensuite, toi tu vas dire. Hermès, ne m'oblige pas à recourir au chantage. Je vais dire à Hera ce que tu as fait. Et alors moi, je vais répondre. Comment oses-tu? Mais comme je sais que tu le feras quand même, j'accepte de t'aider tout en restant à l'affût d'une occasion dès que tu baisseras la garde. Pour frapper. Bref, tu me tiens, petite. Pour l'instant. Mais comme Typhon a fait sortir cette chose du Tartare, tu auras besoin de nourriture venant de là-bas pour la ranimer. Ce qu'Hadès a donné à Perséphone, des graines des morts. Et je n'en connais qu'une sur cette île. Donc, je vais trouver cette graine. Assis, pas bouger. Moi ou l'oiseau? Parce que je doute que cette chose puisse s'asseoir. Hé, hey, l'orgueilleux! J'ai la graine.
Désolée, petite. Viens, on va aller manger des nuggets. C'est moi qui paye. Oh, bah c'est pratique finalement. On peut se les faire ici, les nuggets. Wouhou ! Tu es vivant ! Salut à toi, l'orgueilleux. Plutôt prétentieux pour un oiseau qui se fait flamber par Typhon. Si votre excellence le permet. Je vais t'appeler Phosphore, en l'honneur de Phosphoros, l'astre du matin. Phospho dit qu'il est encore faible et qu'il doit reprendre des forces. Il aimerait t'offrir son aide lors de tes aventures pour te remercier de l'avoir sauvé. Et il adore le surnom que je lui donne. Mais oui que tu adores, n'est-ce pas, Phospho? Je t'avais dit que c'était la bonne décision. Aider un oiseau maléfique mort-vivant? Oui, bien sûr. Bon, je retire ce que j'ai dit. Tu avais tout à fait raison. Ce superbe oiseau propose de nous conduire à la salle du trésor secret de Dédale. Vraiment? L'inventeur de génie qui a construit cette île? En personne. Il dit qu'il y a un tas d'électrum avec mon nom dessus. Ah oui, et il y a une autre graine des morts qui pourrait rendre notre ami Phospho plus fort que jamais. Ah, tu vois? Les bonnes actions engendrent à leur tour de bonnes actions. Qui l'aurait cru? C'est une question piège. Parce que la réponse est clairement personne. Bon, deux indices mènent à la salle du trésor que nous devons trouver. Et par nous, je veux dire toi. L'un est près des eaux de dragon, l'autre de l'aqueduc. N'est-ce pas, Phospho? Je l'avais dit, il adore son surnom.